Les faire se retrouver après l'isolement, c'est la mission que s'est donnée l'association Les Sorties du Cœur. Aujourd'hui, des résidents de deux EHPAD sont réunis dans la salle Saint-Roch à Bourg-en-Bresse. Au programme, jeux de société et goûter pour tous. Un soulagement pour les animatrices ravies de pouvoir leur donner à nouveau des moments de partage. Ça leur permet de sortir de l'établissement, ce qu'ils ne faisaient pas avant vu qu'on a, nous, on n'avait pas de véhicule pour les sortir. Ça leur permet de rencontrer d'autres personnes de leur âge qui vivent également en EHPAD. Ils se sentent moins seuls. Grâce aux sorties du cœur, ça nous permet de sortir les résidents, de recréer un lien social extérieur qui est très très important. Parce qu'avec la crise du Covid, ils sont très fatigués psychologiquement. Sophie, coordinatrice pour les sorties du cœur, est chargée d'organiser les activités de l'association. Les jeux de société, c'est toujours, c'est tout ce qui est art, culture, musique, c'est quelque chose qui tout de suite parle aux personnes âgées. Ils sont à l'aise puisqu'ils connaissent bien les jeux. On sort d'une période de Covid très difficile, où les EHPAD ont été privés de sortie, les domiciles dont je m'occupe ont été privés également de sortie. Et là, c'est vraiment notre but est de créer du lien aussi. Les résidents sont heureux de ces sorties ludiques. Yves s'est même déguisé pour l'occasion. Très bien que les EHPAD se rencontrent entre elles afin de se connaître. Ces rencontres de plusieurs EHPAD réservent parfois de belles surprises. Janine, 90 ans, a retrouvé aujourd'hui une amie qu'elle n'avait pas vue depuis des dizaines d'années. Je suis venue pour jouer à la couinche et j'ai eu la joie de rencontrer une personne que j'avais connue il y a très longtemps. Après plus d'un an de confinement pour les EHPAD, cette initiative offre un retour à la vie normale pour ceux qui ont été le plus touchés par la crise.